Bon, en même temps, je vais pas faire mon petit français. Hein. Juste en face de moi, il y a le gros yacht du sultan, Mutlasouk. Bon, tout est fermé, apparemment. Ça sent très bon, l'encens. Ça explique pourquoi le souk est fermé aujourd'hui. Hello ! Mon hôtel, il est juste en face de moi, là. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde. La route est tranquille. La conduite automatique me facilite les choses. Muscat University. Ici, les gens, ils vous doublent facilement par la droite, hein, ce qui n'est pas autorisé dans le code de la route. Dans les pays arabes, on voit souvent ça, ce genre d'infraction routière. Donc moi, je roule à 80-90 km à l'heure. Je privilégie la sécurité. Ce qui est sûr, c'est que je ne choperai pas de PV. C'est une bonne chose parce qu'il y a des radars sur la route. On les voit. Il y en a souvent. Regardez les gens qui vous doublent par la droite. Regardez celui-là, il me double. Alors, je me trouve à Mascate. Hein. Ce sont juste des petites vacances, bien tranquilles. Alors, je vais filmer le marché de Mascate, le souk. Juste en face de moi, il y a le gros yacht du sultan. Juste en face. Il est tout le temps là, il s'en sert jamais, on a l'impression. Ici, il fait 34 degrés. Hein. J'ai quitté le printemps en France pour l'été ici. C'est plus que l'été, hein, 34 degrés. Voilà, pour les gens ici, c'est normal. Bon, en même temps, je vais pas faire mon petit français. Hein. Oh là là, la chaleur est insoutenable. Insoutenable. Il fait chaud et on va faire avec. Maintenant, je cherche l'entrée au marché. Mutlasouk. Where is the Mutlasouk? C'est là-bas? Qu'est-ce que c'est ça? Yeah. Okay, thank you. Bon, il faut que j'améliore mon arabe hein, parce que c'est pas le souk, c'est une résidence ici. Une très belle mosquée. Et ici, c'est écrit for Muslims only. Donc, c'est pas pour les touristes. En France, dans les pays européens en général, on voit pas des endroits comme ça religieux où c'est écrit avec une pancarte pour les chrétiens seulement. Ici, pour les musulmans seulement. Et c'est un privilège, hein. C'est comme ça. C'est magnifique. Les intérieurs de mosquées dans la péninsule arabique. Magnifique. Ça sent le poisson ici, ça sent les fritures. Moutla, moutla, moutla. L'ancien marché de Mouskat. Bon, tout est fermé, apparemment. Tout est fermé. Et ça sent une odeur d'épicé, de musc. Ça sent très bon, l'encens. Il y a une chose que j'ai pas précisé, c'est que aujourd'hui, c'est l'Eid al-Fitr. C'est le premier jour du mois de Shawwal. Donc c'est la fin du Ramadan, c'était hier à Oman. Et hier, c'était la fin du Ramadan en Arabie Saoudite et dans les pays européens. Et en Algérie aussi. Ça explique pourquoi le souk est fermé aujourd'hui. Je reviendrai plus tard au souk quand il sera ouvert. Donc à la fin de mon voyage. Boutique de souvenirs, juste derrière moi là. Regardez le yacht, il est énorme. Hein. Quand on le voit en photo, il n'est pas si énorme que ça. Hein. Ah, de l'ombre. En train de marcher et sans m'en rendre compte, ben, j'allais passer à côté du fort. Il est juste en face de moi. Regardez, il est juste en haut là. Donc on va y aller. L'entrée doit être vers là à côté. Alors j'espère que c'est ouvert. Hein. Pas déconner non plus. Hein. Ok. À ma grande surprise, tout est fermé aujourd'hui. Tout est fermé.